temps de passer à l'action. C'est passé si rapidement, mais l'amour était si grand. Miou, 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 serais-je à la hauteur pour sauver le monde sans jamais avoir peur? Miou, 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 les dés sont jetés, mais peut-on sauver le monde quand on est amoureuse? Si on est toutes réunies, les plus fidèles amis, on défendra la nature et la vie. Il est temps d'agir, car on compte sur nous, on ne doit pas faiblir. Miou, 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 les dés sont jetés, mais comment sauver le monde? Oui, comment sauver le monde quand on est amoureuse? Je travaille seule. Mais... Je ne veux plus discuter, c'est comme ça et pas autrement. Laissez-moi tranquille, je ne le répéterai pas. Mais Estelle Renée, tu es des nôtres, voyons. Nous devons mener cette lutte ensemble, je t'en prie. Ça suffit. Je suis très sérieuse, ôtez-vous de mon chemin. Tu crois qu'elle sera capable de tourner la page un jour? Je ne sais pas, Renée Roberts, c'était son idole, elle l'admirait. Non mais franchement, pour qui se prend-elle? Hé, c'est l'heure de faire ta petite pause thé, Corinna. Oh, oh oui. Pardon, mais c'est pas comme ça que tu prends ton thé d'habitude, Corinna. J'adore les infusions de plantes. Les garçons sauront peut-être quoi faire. Du gâteau. Qu'est-ce que tu veux dire par du gâteau? Que pour elle, ce sera du gâteau. Comment peux-tu en être aussi sûre? En fait, je voulais seulement savoir si quelqu'un voulait du gâteau. Ce n'est pas drôle, Elliot. Corinna pourrait être traumatisée à vie. Cette histoire l'a complètement bouleversée. Tu aurais pu nous prévenir que la cinquième Miu Miu serait cette diva arrogante et solitaire. Ouais. Cette petite chose rouge là, ça veut dire qu'elle est très énervée. Écoute, Elliot, Estelle Renée peut être la cinquième Miu Miu, mais il est clair qu'elle ne souhaite pas faire partie du groupe. Si on doit compter sur elle, autant dire qu'on est dans de beaux draps. Et si j'ai dû faire tout ce que j'ai fait pour rien, quelqu'un devra payer. Et quelque chose me dit que ça pourrait bien être toi. Et puis pourquoi aurions-nous besoin d'Estelle? On s'en sort très bien sans elle. C'est vrai que la dernière fois, Dre s'est servi d'un prédazide plutôt inquiétant. Mais ça ira. Excuse-moi, Zoé, qu'est-ce que tu disais? Je t'écoute. T'as très bien entendu, Elliot. Si Estelle refuse de rejoindre les Miu Miu, il ne te reste qu'à lui expliquer qu'elle commet une grave erreur et elle changera d'avis. Tu crois sincèrement qu'elle va m'écouter? Ouais. Ok, les Miu Miu, il faut qu'on trouve un moyen de convaincre Estelle de se joindre à nous. Ça, on a compris, Kiki. La question, c'est comment? On n'a qu'à utiliser la manière forte, selon moi. C'est ça, rien de tel pour gagner sa confiance. Tu veux que je te montre de quoi je parle? Arrête tes singeries, tu non, veux? Non, il a raison, l'affronter n'est pas une solution. Il faut la ramener à la raison. Venez, on va essayer. Bonne chance, les filles. Si le dialogue n'aboutit pas, on pourra toujours utiliser la manière forte. On peut dire qu'Estelle s'est mise toutes les Miu Miu à dos. Elles savent que l'enjeu est de taille cette fois. Si elles réussissent à la convaincre de les rejoindre, les pouvoirs de l'équipe vont atteindre un tout autre niveau. Je vous demanderai de tenir votre CD prêt à être dédicacé quand vous entrerez et de vous en tenir à une dédicace par personne. Facile, on n'a qu'à acheter un CD, comme ça on pourra profiter de la dédicace pour aller discuter avec elle. Oui, si elle appelle pas la sécurité. N'oubliez pas de lui demander un autographe. On devrait peut-être commencer par ça. Excellente idée, Bridget. En tout cas, beaucoup de gens ont fait le déplacement pour avoir son autographe. Regardez, il n'y a plus que ce garçon avant nous. Merci, à bientôt. Oh non, merci à vous. Au revoir. Bonjour Estelle Renée. Il faut vraiment que je te parle, ce ne sera pas long, c'est très important. Mademoiselle, je vous demanderai de ne pas bloquer la queue. Ça ne prendra qu'un instant. Vous n'avez même pas acheté le CD. Il faut vraiment que je lui parle. Appelez la sécurité, on a un problème ici. Hé,
chez moi. C'est moi que vous appelez un problème. Qu'est-ce qu'on fait sur ce pont, Zoé? On passe au plan B. Bien sûr, où avais-je la tête? C'est quoi déjà le plan B, rappelle-moi? Ça consiste à retenter le plan A. Estelle René à midi, tenez-vous prête. Où ça? Je la vois pas. Là. Bon, allez les filles, il faut l'arrêter. Oui, comme ça. Continue. Encore. Oh, génial. Encore. Lead. Et voilà. Et dans la boîte. On remballe. On remballe. Très bien, René, ma chérie. On va enchaîner avec l'émission en direct. En attendant, tu devras aller te détendre dans ta loge. C'est ça, la vie de star, ma belle. Es-tu magnifique, ne change rien. Bon, les filles, il faut qu'on trouve un moyen de se retrouver seule à seule avec elle, sans garde du corps, sans limousine, rien qu'elle et nous. J'ai une idée. Deux d'entre nous la ceinture pendant que les autres la ligotent. Je vous le dis, les filles, si on réussit à lui parler, elle se joindra à nous. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que je le vois au fond de ses yeux. Moi? Je perçois ce petit quelque chose que je retrouve dans vos regards. Allons, les filles, je suis sûre que vous savez exactement de quoi je parle. Tu as raison, Zoé. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour aller la voir? On se sent seul quand on est au sommet, pas vrai? Je peux savoir comment tu es entré. Je sais y faire, voilà tout. Et puis ton garde du corps n'est pas une lumière. Tu ne crois tout de même pas que je vais rejoindre les Cyniclans? J'espérais que tu changerais d'avis, je l'avoue. Vois-tu, contrairement aux idées reçues, les Cyniclans ne sont pas de si mauvais bougres. Non, sans blague. C'est là, vous êtes sûr? Forcément, c'est le seul studio de télé qui existe dans cette ville. Il faut absolument qu'on la trouve. Il n'y a pas de service de sécurité, c'est étonnant. Waouh, c'est sympa comme tout ici. Allez les filles, on va se séparer et partir à sa recherche. En fait, ce que les Cyniclans veulent, c'est vivre en parfaite harmonie avec les habitants de ta planète. Écoute, toi et moi, on pourrait diriger le monde. Ensemble, rien ne pourrait nous arrêter. On formerait le couple le plus puissant de notre siècle. Estelle! Eh oh! Tu es là? Estelle René! Oh! Estelle! Non, ne fais pas ça! C'est le mal personnifié. Tu ne crois pas si bien dire. Va s'écrire. C'est drame. À nous deux, Zoé. Au revoir, les amis. Qu'est-ce que t'as fait? Bridget, Kiki, Corinna. Ça suffit. Qu'est-ce que t'as fait de mes amis? Elle se trouve actuellement dans une autre dimension. Pas la plus confortable, mais au moins, nous voilà seuls. Débrouille-toi pour les faire revenir tout de suite! Je suis d'accord, mais à une condition. Je veux vous voir vous affronter. C'est ridicule, voyons! Le chaton contre le renard majestueux, quel spectacle! Je sens que je vais apprécier le duel, mesdemoiselles. Vous êtes prêtes? Tu ne peux pas m'obliger à l'affronter! Je suis une louve, pas un renard pour commencer. D'autre part, il est hors de question que je me batte. Si vous le prenez comme ça, je crains que le sort de vos amis ne soit scellé. Je vais vous laisser un peu plus de temps pour réfléchir. Ciao! Pas de touche! Mes amis ont été expédiés dans une autre dimension parce que tu joues les louves solitaires au lieu de nous aider à battre Dren! J'ai bien peur d'avoir une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne, c'est que Bridget, Corinna et Kiki sont en vie. Oh, Dieu soit loué. Mais la mauvaise... Oui? C'est que ça risque de ne pas durer. Voyez-vous, Dren les a expédiés dans une autre dimension qui semble se rétracter rapidement sur elle, d'où le danger. Oh non! Elles vont encore manquer leur service au restaurant, c'est ça? Ça devrait être le cadet de tes soucis pour l'instant. Nos amis sont en danger, je te signale. Bon, eh bien, je crois que tu vas devoir affronter Estelle René, comme Dren te l'a demandé.
Oui, je crois. Il a dit qu'il ramènerait les filles si tu le faisais, mais en même temps, Dren n'est pas le genre à tenir ses promesses. Et n'oubliez pas qu'il a également dit que le vainqueur devra se joindre à lui. On peut le tourner dans tous les sens, on sera perdant quoi qu'il arrive. Dren a toutes les cartes en main. Je dois dire que vous m'êtes d'un grand secours, les gars. Oh, mais qu'est-ce que je vais me faire? Réfléchis. Il n'y a qu'une personne qui puisse t'aider à sauver nos amis. Oh. Estelle Renée Roberts. Prête pour une autre tentative? Très bien. Voilà ce qu'il faut que tu fasses, Zoé. Il faut que tu lui fasses confiance, que tu crois en elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle est comme une sœur. Elle préférera se battre plutôt que de te blesser. Il a raison, Zoé. Si Estelle voit que tu es en danger, son instinct de Miu Miu va se réveiller. Elle ne pourra pas s'empêcher de te protéger coûte que coûte. Aie confiance en elle. Je suis sûr que vous allez combattre dans le même camp avant même de vous en apercevoir. Oui. J'espère que nous ne sommes pas en train de nous fourvoyer sur ce coup-là. Eh bien, si on se trompe, Wesley, c'est toute l'opération Miu Miu qui risque de se solder par un échec monumental. Et les Cyniclons auront la voie libre pour diriger le monde. Où sommes-nous? J'arrive pas à utiliser mes pouvoirs ici. Sans mes lunettes, je n'y vois rien de toute façon. Tu as bien de la chance, Bridget, crois-moi. Parce que cet endroit fait de la chair de poule. En plus, j'ai l'impression qu'il est rétréci à vue d'œil. Et vous êtes? Je vous l'ai dit, je suis là, à la pédicure de René. Ça m'étonnerait, ma jolie. C'est bon, Annie. René? C'est vous qui voyez, mademoiselle. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Je te le demande une dernière fois. Que tu ne veuilles pas te joindre au Miu Miu, c'est une chose. Mais aide-moi à sauver mes amis, je t'en prie. Je sais pas quoi te dire. La dernière fois que j'ai affronté Dren, j'ai bien failli me retrouver prisonnière de cette dimension. Hein? Comme tes amis. Et aujourd'hui, Dren est plus fort encore, je l'ai vu. Je t'en prie, réfléchis. Si on ne fait rien, je ne reverrai plus jamais mes amis et... elles sont ce que j'ai de plus cher au monde. Écoute, je vais y réfléchir. J'espère que ce n'est pas une ruse pour me forcer à me joindre à vous. Hein? Ça va être à toi, René. Oh. Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'univers sauvage du désert sauvage. Je suis Guy Ramsay. Bonjour, je suis Hélène Penny Malone. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir René Roberts. Je vous remercie, je suis ravie d'être avec vous. Alors, René, quelle est la créature la plus sauvage que vous ayez croisée dans la nature hostile et sauvage du désert du même nom? Bien, un jour, j'ai vu un lapin attaquer un autre lapin, de façon très sournoise. Il l'a attaqué par derrière. Y a pas à dire, elle est vraiment jolie. Oui, quand on aime ce genre de fille. Attends, veuillez répéter. Vous avez repéré un intrus? Je ne sais pas, mais c'est pas rassurant. C'est même extrêmement inquiétant, regardez! Oh non, la dimension est sur le point d'imploser. Zoé doit passer à la vitesse supérieure. Zoé, alerte prédazine! Je pense t'avoir laissé suffisamment l'occasion de faire tes preuves, mais c'est terminé. C'est fini, Zoé. Tes amis et toi êtes fichus cette fois. Ravi de vous retrouver sur le plateau de l'univers sauvage du désert sauvage. Je vous présente notre invité. Oh, waouh, un serpent sympa. Qu'en dites-vous, René? Voulez-vous le toucher? Avec plaisir, j'adore les serpents. Oh, il est affectueux. De toute évidence, vous savez y faire avec les animaux. On en prendra un plus gros la prochaine... Hein? C'était pas du tout prévu, ça. Oh, viens ici. Pierre de puissance. Mutamorphose. Ce n'est pas notre apparence qui fait la différence, mais enfouis au fond de nous un pouvoir un peu fou. Et quand on est ensemble, il faut croire en nous, car toi et moi égale Miu Miu, nous
Amanda, rattrape-la. Sauve-toi vite. Vas-y, sauve-toi. Oui, mais toi, ne t'inquiète pas. Ça va aller. Oh, ça suffit. Comment va Estelle René? Il semblerait que ta copine se soit enfuie. C'est typique des gens lâches comme elle. Je suis désolée, les filles. J'ai pourtant fait tout ce que je pouvais. Oh, bien, c'est la fin. Je vous aimais bien, les filles. C'est Estelle. Lisa ne voit rien. J'étais sûre qu'elle viendrait nous aider. Je n'en ai jamais douté, moi non plus. Lisa, où ça? Allez, accrochez-vous. Je te laisse une dernière chance, Zoé. Viens avec moi. Tu n'as pas peur que ta venimeuse amie ne soit jalouse, Dren? Non, Anaconda, pas ça! Oh, cette fois, c'est la fin. Quoi? Mais comment vous êtes-vous échappé de l'autre dimension? Ça va, Zoé, tu n'as rien? Maintenant, ça va. Laissez-moi entamer les hostilités, les filles. Attention! Attaque des grandes profondeurs! Sillon des tambourins! Ça ne lui a rien fait! Allez, cloche de lumière, ne me déçois surtout pas. Ça ne sert à rien, on n'est pas assez puissantes, les filles. Bridget, t'as raison. Mais qu'est-ce que... Oh! Nos pouvoirs! C'est comme s'ils fusionnaient. Miu Miu, approchez-vous! Je suis très impressionnée, mesdemoiselles. Qu'à cela ne tienne, je vais aller chercher un peu de renfort. Ça a marché, les filles. On a réussi. C'est grâce à nous toutes. Merci pour ton aide, Estelle. Désolée, mais je ne fais pas équipe avec des bras cassés. En revanche, je serai fière de travailler avec mes nouvelles amies. Nous venons d'assister à quelque chose d'incroyable en direct sur le plateau de l'univers sauvage du désert sauvage. Mais difficile de savoir à quel genre d'héroïne nous avons affaire. Oh, attendez, vous voulez dire qu'on était à l'antenne? Que le monde entier a pu assister en direct à tout ce qui vient de se passer? Oui, pourquoi? On n'allait pas rendre l'antenne dans un moment pareil. Elle n'allait pas vous faire des fausses idées? En temps normal, on est serveuse. Sauf bien sûr quand les prédateurs t'attaquent. Nous aimerions autant que notre identité reste secrète. Vous avez dit Prédazite? Et comment pouvons-nous vous appeler, les filles? Dans quel café travaillez-vous? Pléty. Plus fort, je vous prie. Vous vous êtes fait une couleur ou est-ce que c'est naturel? Non, je ne peux plus tenir! Désolée! Il faut que ça sorte! Le style Miu Miu, la grâce Miu Miu, être un chat, moi, ça, c'est chou! Elle aurait mieux fait d'avoir un chat dans la gorge. Tu peux me répéter ça?